Bonjour, adiciats en totos et en tutes. Bienvenue à l'Universitat Occitana d'Estiu, organisée par la Marpoc et l'IO des Gares, en partenariat avec le CIRDOC, Institut Occitan des Cultures. Radio Languedoc vous prépare au art d'essayer en direct view la programmation de la conférence des Taules Redondes d'aquelle 44e édition de l'Universitat Occitana d'Estiu de 2020. Adicias tutes et plavengudos a tutes à l'Universitat Occitano d'Estiu de la Marpoc per un tantusado especial fosse une conférence que vous convido à me donner Josiane Hubaut qui nous va parler vei d'une culture des sabes et d'une desculture inculcada. Alors vous avez ici à me donner Hubaut Josiane et su che sabets de demandos ou de commentaris de fa buscumida Diana Pica sus la pagina de Facebook sio de la Marpoc sio la del CIRDOC. Bon temps tout ça. Premier faut saluda l'UFA d'avait maintenu l'Università Occitana d'Estiu osco ils organisaient Marpoc et au Trent et Radio Languedoc de prennent le relais technique sous aco et pas une évidence. Et nous faut mentionner et merci déjà à tous. Donc, mon thème des UE à la demande de la Marpoc sera de montrer comme si on passa désastreusement d'une culture des sabés au plural à une desculture inculcade et maille et mécroille et arrogance. Ça baisse toutes les questions. Ethnobotaniste et un maître de lexicographe en occitan, donc des décennies de travail sur l'environnement en territoire occitan, tant sur le terrain, qui est à qui dessus, comme dans les ouvrages, m'ont permis de mettre en relève une surabondance de lexie pour décrire les gestes agricoles, les espèces, le biais débutant des plantes, les travaux agricoles. La nature d'Ossau et n'est pas si. Est aiguë, une belle preuve tangible de la richesse de la langue, mais encore mai le rebat de la richesse des rapports que l'homme occitan a entretenu et mis sous l'environnement. Auriez-vous aimé écrire à ce verbe au présent, entretien, mais comme ici, comme ailleurs, assistissant à une perte tragique d'aquestes sabets qui mène à déplorer que sont des bibliothèques entières qui désapparaissent, pour se mourir la dernière génération des que sabien encore. Et à cause d'une l'indifférence générale, et sans l'on m'exprime envers les racines, l'histoire, la culture héritade, et les langues régionales, inculquent un bloc par les universalistes dans la langue de la liberté, à cause sigue. Perde d'autant mai tragique que l'écologie, la vertadière, pas l'idéologique, est la grande préoccupation d'un siècle, mais qu'on a éradiqué de la classe des sachets, à quelle que la pratiquaient d'espèces des seigles sans médaille. Notre nouvelle école se peut donc créer d'inventures géniales et hélas, d'aigo pas manco de besoin. Les cultures associées, l'engrais vert, le commerce des proximités, le recyclage de toutes les dégâts sont pas même présents dans toute une fune d'escrits anciens et dans la vie quotidienne, au même fin à la fin du siècle XX. Donc, accessible à tous, pour qu'on vous bien cercher et le dire. Mais non, il fallait rabaisser à cette sabée de toute force et les escumenger à cause d'anathème, en français, superstition, croyance désuète, pratique dépassée, preuve d'arriération mentale, idéologie pétainiste. Desgrunaï donc, quelque point environnemental, montrant que l'époque actuelle
pourtant de sus l'écologie, mais pas sus l'histoire de sa culture régionale, tant au sens agricole comme intellectuel, se présente à Pau de Frais comme découvrir d'aquestes vertus cardinales que notre aire pratiquable au quotidien, sans s'attribuer pourtant des médailles d'eau mérite éco-citadin, éco-responsable. Est-ce le discours récurrent qui sortit de toutes les entrevistes qu'il menade, mais n'autre et rien écologiste, naturellement. Alors, Vauquitcha est un premier sur un concept qui me tenait en cause, parce que l'Aïenka a pu constater, pas souvent, mais constater, sur cette fameuse culture associée, qui est la cacaluche de notre séquiaire, en agrologie, agro, tout ce que vous laissez, et qui donc se présente comme la solution qui vient tout des sorties de son capeau. Donc, vous voyez un peu à ce cas, mais est volontaire, avec quelques citations, force par la douille. Donc, des tests tirés des compès, simplement. Une paranale safranière, Anne Améies, compès de Montpeyrouse, 1500, un petit lopin clos de mur de safranière avec des amandiers. Une vigne, Ambé Oliviès, compès d'Agnana, 1500, une vigne avec olivier. Une castanée avec certains oliviers, compois de Générargues, 1559. Quant aux amandes qui se cueilliront chascunant aux amandeliers du Grand Mayol, compois de Ginestas, Aude, 1573. Quant aux amandes qui se cueilleront chaque année aux amandiers du Grand Champ de Vigne, vous voyez, avec des longues vignes à Aubrey. Une vigne et estac d'olivier jeune, compois d'Alès, 1586. Les estacs sont des boutures d'olivier et contiennent de ces numa kumako. Donc, avec des estacs au mitant de la vigne. Une vigne en français, une vigne complantade d'olivier, compois de Blandas, 1581. Séouclière composée de chaises, nouguiers et rimiers, compès de Saint-Julien de la Nau, 1624. Bois de châtaignier, séouclière, à fournir des cercles de tonneaux, ou faulegi kumako. Séouclière, donc, composée de chênes, noyers et rimiers, vignes grimpant dans les arbres. Qu'est-ce testimonie, il avait des longues. Une vigne complantée d'ormes, soukazmaï curius, serriers et autres arbres, compois de Carcassonne, 1603. Une vigne complantée d'estacs, donc boutures d'olivier, à Marguerousse, compois de Lignan et Rau, 1626. Fruitiers et rasimières entremêlés, compès des Sumènes, 1639. Arbre fruitier avec vignes grimpantes entremêlées. Olivettes et vignes toutes entremêlées, compès de la Salle, 1642. Vignes hermées avec de petits arbres fruitiers ruinés, compès d'Aven, dit le Gard. Vignes abandonnées avec de petits arbres fruitiers abîmés. Une cingle, juste le camin de l'estrade, complanté de muscats et fruitiers dits guignés, une petite bande de terre sous le chemin de l'estrade, complanté de muscats et de fruitiers dits guignés, compès des Ménherbes, 1644. Vignes en traversier et olivets dedans, compès des Bréau et Salagosse, 1646. Un exemple donc mai récent, vigne complantée d'oliviers à la Blaquière, d'une compès de Gijan et Rau, 1712. Une autour d'un siècle des Hénaux qui nous parle de la Côte d'Azur. Connaissez le pays où te vint l'arrangier, aimait son fruit courrous et sa fleur perfumade,
unte dou muscadeu, la rapugue d'aurade penduelle et si madure ei brou de l'olivier. Vous connaissez le pays où pousse l'oranger avec son fruit splendide et sa fleur parfumée, où du muscat, la grappe dorée, pend et mûrit aux branches de l'olivier. Mais c'est un carinco. Armana Lucaccio Fio, 1892. En Ariantasta lou pousse, y melun d'ouvasin, qui s'estirave entre mi-temps des manouillères d'un pantier. Nous allâmes tâter le pouls au melon du voisin, c'est-à-dire voler, qui s'étirait au milieu des rangées d'une jeune vigne. Les oliviers, dit ses ourrières, entremesclats des maillolières, à quatre li banca ou d'argenta li fourès. Frédéric Mistral, les oliviers dont les allées se mêlent aux rangées de vignes, recouvrent les terrasses de forêts argentines. Té, vezes pas un olivette? Entre mi-temps, y a cauquivette des vignes et d'améliers. Frédéric Mistral, tiens, ne vois-tu pas son olivette? Au milieu, il y a quelques rubans de vignes et d'amandiers. N'en siam pas loin, sem vois la prove, dins à quelle vigne s'atrobe tout il a eu fruit des jardins, il y a jusque des pébrons. Marius Trucy, père Var, où c'est les désénons. Nous n'en sommes pas loin, si tu en veux la preuve, dans cette vigne se trouvent tous les fruits du jardin. Il y a même des poivrons. Mais souvenez d'une teinte qu'entre mi-temps d'isourdre, s'éménave des grands. Marcel Drutel, vintaine. Je me souviens d'un temps où, entre les rangées de vignes, on semait du grain. Soca parentamen, d'unave un blat de qualita, bor que se dis, se porta comme blat d'ourrière, se portait comme blé planté entre les rangées. Est la définition de l'agroforestarié. Simpletamen, unte se studi entre autres au domaine départemental de Restinclière à Prades de l'Est, une théâtre d'expérience, et vezes des ringuettes d'aubre, des ringuettes de céréales, des ringuettes d'autres causes. Et les influences des unes sur les autres sont étudiables. Nos regrets théorisavons pas, mais aviez expérimenté naturellement à questes vésinage des plantes et que s'adjudent l'une l'autre. Donc, quand on dit que l'écologie actuelle invente l'aigle tébèse, c'est la vérité. Vous êtes d'espuel au siècle XV, au moins, hein, évidemment. Alors, Marie Mauroum, qui parle d'une des seize emplégats de la ferme familiale, qui est à l'hôpital et qui en a visité, est question des oliviers ségus, mais surtout de la vigne des soutes. La mavian enseigne à quel plantier dru et ma quelle vise foulasse que perfesse escalave ipège des oliviers. Il était question des oliviers, bien sûr, mais surtout de la vigne en dessous. Nous l'aimions ensemble, cette vigne dru, avec ses sarments un peu fous, qui grimpaient au trône des oliviers. La Società d'Horticulture et d'Histoire Naturelle des Raux, qui est une des vice-présidentes, est à l'origine des jardins d'Ensa, jardin d'essai, comme c'est dit en français, à Montpellier. Et mentionnait ainsi dans ses annales de 1909 la culture d'eau pyrètre sous olivier. L'eau pyrètre est un insecticide naturel. Donc, déjà s'expérimentava en 1909, hein, sous olivier, et la duberture d'un concours destiné à récompenser la plus belle culture d'asperges dans les vignes. 1909. Un exemple mal contemporain, le trouva dans le journal Luca ou le Bravo de Uclapa, sous la plume d'André Boissier, la salvia, adjude al crès de Ucaulé, de las carottes,
de las maggiufos, de la spuma d'amours, ai talc de la maggiurano, la calpa cultiva, demes las furs analo, ni mai las sebos calenti sum creis. D'une la traduction, per lesquelles il y a une des plantes que les gens ne connaissent pas toujours, la sauge aide à la croissance du chou, des carottes, des fraises, des tomates, ainsi que de la marjolaine. Mais il ne faut pas la cultiver parmi les fleurs annuelles, ni les oignons, car elle ralentit leur pousse. Expérimentation des terrains. Alors. Donc, la difficulté à c'est de trouver un quart de testimoniages sur le terrain dans lesquels il y a des cultures associées, mais qui tornent venues, évidemment, et vous pouvez dire qu'il faut d'anade, qu'il vise des cultures des favos pour vous, entre les vignes. Donc, il y a à l'enco la récolte des favos fresques, puis éventuellement l'enterrage des feuilles secs comme un gris vert, et double avantage. Et dès que c'est faisé comme culture entre les vignes, évidemment, des cultures qui, au moment de l'automne, per vendemmia, n'étaient pas plus acquis. Donc il y avait une occupation rationnelle du terrain, évidemment, qui s'est faisait d'une paille d'usco. Alors, se parle souvent también safranière sous olivier, à qui est récurrent de les tests. Le safran, c'est plante, me rappelle pas court, qui se récolte en septembre, mais est picho, et la vendième est passée. Si que nous, escafariez votre flore de safran. Donc il y avait une occupation rationnelle. Ces plantes n'avaient pas des plantes pérennes, les va, la ringuette d'arbre, bien sûr. Mais entre, dans la gabe, entre 12 ringuettes de vignes, des plantes annuelles, et l'uco, la récolte faccia, pouvions faire la vendée tranquillement. Donc voici un exemple d'invention de l'aigle tébèse à Lourdes. Une autre invention de l'aigle tépèse est le biais d'engrais à la terre et d'engrais naturel et le recyclage des dégâts qui est tout à coup marchensé. Alors, l'engrais vert, contrairement à ce que se porte aussi, est une technique vieille comme le monde, vieille que vieille, d'enterrement des plantes siègues d'aquelles qui sont sous place et qui sont virades par la raille, par exemple, toutes les herbes annuelles qu'il y a dans les vignes et qui sont toutes inhumades par les paysans, la fumeterre, la véronique, parier en français, le lamier, le gauger, le souci des champs, qui crée cet hiver, évidemment pas le gramme qui est des nuisibles à la vigne. À quoi il faut donc sourire des vers des personnes écologistes des villes richonnaient déjà sur le qualificatif les mauvaises herbes. Ah, non, il ne faut pas dire les mauvaises herbes. Collègues, est-ce qu'il n'y a pas Susa pour l'éval ou gramme de ton camp et pour disons pas manque de nourrir, mais pour subrevivre. Si nous n'aurions pas un esthétisme lexical de cette semaine, et c'est une écologiste qui parle. Hein. Donc, va qui. Alors, n'improfiez pas pour dire une expression qui est récampade, à ce travail agricole qui s'usait sous le soleil pour se gagner sa vie, les savent de temps en cours une matte de grammes, indiquant pour les effans, pour les effans. Comprenez le sens de. C'est l'évier tout le gramme d'aucun, mes enfants n'auront pas plus de travail. C'est une ditche des travailleurs journaliers, évidemment, pas des propriétaires. Faire montrer le travail qu'est le de la terre. Hein. C'est pas évident. Et parler pas pour mes sang et pas des paysans de la famille. Hein. N'est pas. Hein. Va qui? Alors, va qui per les engrais naturels que vous vous détaillez
l'autre biais, donc siège interamente des plantes présentes dans un camp, siège volontairement incorporées au sol. Et c'est traçé ici de buis, le buis en français, que les gens des causes d'avalaient par carrette pleine aux paysans de la baisse. Le buis, c'est par là des buis trissa, c'est-à-dire qu'il recampa, et trissa ou coussi. Il y avait une machine rudimentaire pour trousser déjà à questes camp des buis et mes feuilles, et qu'il comment dire, mes dins les vignes, entre autres, et que son bénéfice durava 13 ans, c'est 10. Donc, vous voyez, la décomposition lente que lente d'aquestes buis qui faisait office bénéfice à la terre pendant longtemps, au contre des engrais chimiques que cada an vous faut tourner pour toi et qui font une terre morte, complètement morte. Alors, il y avait à quest métier, pas un métier des gens qui gagnaient vos forces, c'est poudrier par là, donc quand bien même des rapports à l'argent, también, qui estira de la terre, et mais les techniques contemporaines qui sont à rapadis. Alors, c'est pour dire à quelqu'un, oh, va y ten trissa des bouisses, ou va y ten couchi des bouisses, va te faire paître. Hein? Voilà. Alors, un autre usage de bouis consistissait à appailler les carrières où il y avait des troupeaux. Et le bénéfice est doublé, parce que, al cap d'une, ça ne s'habille pas, une année de Béléo, se recampave le buis, mais les pécoles. Ce qui donne une engrais de trille, hein, doublement intéressant. Le mail conégu, réputa, est buis, mais migum, c'est-à-dire les pécoles des fèdes. Alors, à qui est-ce de l'or? Véritablement de l'or. Un autre usage encore d'obuis, pendant les fêtes locales, s'implégava l'obuis en décoration. Alors, quitte à même d'indendre où il n'y avait pas. Mais il y avait une délégation de jeunes qui avaient cueilli l'obuis, généralement à pas mal qu'à 5 km, en carrette. Perché le buis perdure tutta la durata della festa? Se prenesse d'altre vegetazione, l'endemain le feuilles sono tombate, patite. Ma il buis può durare tant come è pendant une quinzenade. Cresesse che escampa, che non, era recupera après usage, per crema ou per mettre di lei jas per lei fed. Donc, le système de récupération, rince et perd, rince et desgaille, mais oh, les gens de ma génération, qu'est un paysan, mais n'autre est rien écologiste. À qui? Évidemment, est rien écologiste. Un autre exemple, aimait la fibre des ginestes. Alors, à Copertoc, un travail artisanal, difficilement qualificable d'industrie, ou entre les douze, qui se faisait dans un paiement. L'Oudève, Junas, au pays de l'Arzac, se fabriquaient des telles de genestes, qui ont une réputation toujours d'être inusable, totalement inusable. Donc, s'agissait des tira la fibre qu'il y a dans la cambe de la geneste, mais il y a des sobres qui demouravent. Eh bien, à ces sobres des cambes de geneste, n'eront pas escampades. Elles vendues à reste cost, quasi à reste cost, comme combustible, et servissaient también à alimenter le fio de Saint-Jean de l'Oudève. À l'Oudève, il y avait une usine importante des telles de ginestes. Alors, vous voulez dire une troussée d'un poème fait par un Loudévès, Froucan de Virenque, à la fin du siècle XIX. Alors, qui ne va pas traduire, si que non, c'est rien trop long. Avant le fio de Saint-Jean, et fans,
che crente spade vu gasta l'impegno, curises, anas vunte che ta cerca de legna, alla placetta cal fair un famus San Joan, che lu fioc siega bel e che pusco lu veire dei gazilier, dei gour e memes de plus lion, le quartier de Loudève. A Loudève, c'est la A finale. Eh? Alors, din lu zustau, sem van, pulissum, lestes, l'usun d'uno de rube e d'autres de ginestes. Reganil a pourtant un suc de castagnier, d'autres un fourni dieuse, de ramundia, de plumat, recurat, jusqu'à la caville, de buisses, de secal, de fagots d'olivier. La grosse Marie baila une carga de mouches, de ciste. La cassagne que tout l'usio au cri de Fouches, mais vos urina! Pamen agita une manoule de gabels. Catherine, à ton tour, estenque tu te moulses. Et Catherine lança une grosse manate de piolses que Dijo li vendait une fena de pioche. Une manate de piolses est une poignée, un fagot de restes de fibres de genêt issus des usines de genêt. Vezes, tout faisait ventre. Et un autre exemple, non pas d'engrais, mais de per assani l'usau, ces métiers des branques des trentanelles ou des cantoperdrices ou en français Daphné Garou, qui est une plante puisum, qu'on aiguë de Kumako, mais qui n'est pas même notre égrère, et c'est apercebu que Poudier avait un rôle pour l'assainiment de l'eau. Et il y a d'exemples à boudre. Hein. Vous voulez détailler maintenant du domaine, mais il faudrait perséguer Kumako à la fin. Hein, fin qu'à la fin. Enfin, à Justara, il y a Reims et Père, tout il est plus maille. Des légumes, des fruits, hein, à nave au port, que la famille a balissé à Mako. Hein, et bien, oh, et je mange bourdille, le port. Hein, donc, bah, autre point des modes, et per de que est un point critique, l'aigle. Ah, la mesure de l'aigle. Espargna l'aigle. Nous faisons Espargna l'aigle. En veire ce que nos traireurs faisaient aimer l'aigo. Hein? La courvade des aigages era dels penusos et toute la meinade carregiava l'aigue dels rius als camps. La corvée d'arrosage était des plus pénibles et tous les enfants charriaient l'eau du ruisseau au champ. Cresès comme une pratique rapport à l'aigue comme aqueste, nos traireurs desgaillavo l'aigle, c'est ça des suicides. Hein? A melugal de la trenco, se taillavo la moutte, et melaissade se dérabavo, se netteggiavo tambien los azagairons que dels besau menavo l'aigle régulièrement d'une louprate. Avec la panne tranchante de la houe, à lame courte, on taillait la motte. Avec la houe à lame triangulaire, avec déjà le raffinement de l'exi, hein, différence d'appellation, per des différences d'usage, on l'arrachait. On nettoyait aussi les petites rigoles qui, du béal, conduisaient l'eau régulièrement dans le pré. Quand vous n'avez pas un car, un seven, à quest paysage des prats à Bézala, comme disent bien la langue occitane. Une d'arrière-co, l'oujulou lançait la zaguadière. Puis, prenant une aïssade, desvirait l'aigle d'un canal pour azagar tout mat et mungette que le gisle de l'aigle l'aurait pugu à fraba, flour et fluch. À qui también les anciens savent qu'il ne faut pas azagar les feuilles des tomates, les femmes péris, hein, et les feuilles des mungettes, tambien. Hein.
pels plantiers, patientament, couro ici, couro aval, traucave et tancave, las rego, tampave las regue, perque cada tierra naguesse a son besoin, et non pas a zundad a boudre sans raison. Un test d'Andrieu Boussac, per tard. Le test précédent venait d'Evaline Bruck, per l'Uzer. Je vous recommande à cette étude ethnographique. En est alors que le vieil la zagave, à une sape, barave et durbissier la srègue, un telaille courissier entre les reines des tomates, d'aubergines, des porcs ou des rabettes, que de la grande calour cridave C. Max Rouquette. Pas la peine de traduire. À cette espargne judicieuse per abésalage, mais ce qu'on égute ici, l'éva des pratiquants ben ségus, est-ce pas même bada en dacon au Maghreb per nostre descultura? Oh, la science de laïque quand au Maghreb. Mais est-ce sus place la science de laïque? Perdez qu'il y avait le métais clim, donc la métais se pratique, et la métais espargne foursade de laïque. Donc, plus l'aïque que de commencer par bada à l'endacon, commence par bada laïci. Te donnera une culture de laïci, lieu de la messe présente. Mais non, te font l'exotisme par bada l'endacon. Desculture et infantilisation, ailleurs est meilleur. Connaissant la cause. Avec Agua ici, à l'opposé de ce travail de Suzade, qu'il faut saluer, hein, parce que c'est si envie ou acquis, et parce que notre irée en sachu s'en sortit, hein, maridamen, mais s'en sortit. À l'opposé, donc, une ancienne conse de Montpellier, qui ne nous maraille pas, afin de rabat ses racines de terre, les orpins, en français, qui végétalisaient les rails d'un tramway. Périmètre d'hectares de pelins, azaga à longueur d'estieu, juin, juillet, avous, septembre, pour maintenir un espace qui n'a pas, un espace qui pas la, le moindre usage social, dès qu'il faille d'une pelin entre des reines de rails, les vaques, le cagadou, mai grand de Montpellier, per chin. Avec des hectares de merde de chin, et quand si as arresta sur la nationale 113, perdu qu'il y a des mondes, pouvez contempler les estrons de chin sur le pelin. Et un patcho pas qu'une estieu de ces carrés extrêmes, mais fougueté nebi à yeu et à tout le monde, d'azaïga mon nord. Le pelin des rails est à zéga, il y a d'hectares et d'hectares, et c'est les kilomètres de tram qu'il y a à mon pays. Mais yeu mon nord. Produisissent de l'oxygène, produisissent une bénesse visuelle à tout le voisinage, une récate pour les oiseaux et les insectes, pour les abeilles et tout à ce monde vivant. Qui naît la productivité positive d'une pelin entre les rails? Va qui donc un homme qui a jamais agu l'obligation d'un azaïga lors de son papette, hein, en un anker et l'aigle de coquilla à un kilomètre. Si que nous ne pourrions pas avoir à quest comportement complètement faux, calu, faut dire, hein, va qui. Donc, la gestion de l'aigle est venue d'un problème crucial, évidemment, et Tournamaille se présente comme un triomphe écologique des planter des végétaux adaptés à la sécheresse. À quoi me fait plégaire en douce des rires, dans la main est l'évidence. Et évidence que pratiquaient nos traîneurs, plantaient pas d'espèces galavards de naïgues. Est la raison même, hein, la bonne raison même. Donc, proposa à cette main de végétalisation à d'une iconse et émaille à d'une population. Est viscute comme une agression. Il faut des plantes ufanouses, mais des flores grossasses ou kumako, et donc, quand on dit flore tropicale, dit aigre, est l'évidence, est l'équation. Si que non, est des mespresses pour la population et mespresses pour ce que pensent et les dits de ce que c'est.
pezes lo seucle infernau din causa sian dintra. Lei pratica, lei ausi, sabi pa, candeco. Donc, faux, dans Pélen, des laïsoutis, des flours grosses. Et ces perastres consentissent à la trilogie réductrice. Cypress, mai olivier, mai lavande, comme ne peuvent pas supporter à cette mise en scène, faut pas mettre d'eau pélène à l'entour. Si que nous, fa peur, fa pense au petit. Ce sont des causes qui sont implégades. Hein. Pour les touristes, faut à quoi. Alors, dès que se passe, pour servir le pélène vert, que sans ça, faire rire. C'est subra-rose les lavandes, qui crème, une lavande, il ne faut pas d'aigle. C'est subra-rose l'olivier, qui va créba. Et c'est subra-rose le cypress, qui elle, va dubrir ses branches et faire une silhouette désastreuse, évidemment, parce que le cypress est beau quand fait la flamme. Mais quand il des dizaines de branches sur les coustas qui font à quoi, c'est le contraire de l'esthétique. Donc, se résolver à quel problème esthétique est retaillant les cypresses en sucette, et avec donc l'esprit de notre cypresse en sucette. Vous voyez, on nous mène la mesconnaissance totale de l'écologie et des bases, vous voulez dire. Encore une fois, notre erreur n'avait pas besoin des formations sur la pratique au malpré d'autérie. Donc, va qui. Un autre lieu où on avait a eu la culture de l'Espagne de l'Aigle, est la ville au Cabanon, Mazé Barraquette. Est un modèle de vie écologique. Pousse sous la main, l'Aïkounégu, cisterne, l'Aïkounégu, et l'arrivée de l'Aigle à la pile, comme se disait à Marseille, fut une révolution, c'est-à-dire révolution. Mais il nous avait inculqué la vie d'avant, à qu'est-ce respect des laïcs. Jamais Orient Leïssa, une robinet d'Hubert Raja, c'est qu'aucune boussouna va au téléphone. Mais rappelez que Yéou, la guessifa ne s'habille pas pour qu'il n'y ait pas, mais c'est rien ou presque une mandale. T'as la main, laïc est précieuse, est de l'or liquide. Hein? La végétation associée. Mais naturellement, il y a des plantes qui n'avaient pas besoin d'aigle. Naturellement. Jamais les gens ne se sont amusés dans un endroit où on n'en avait qu'une cause la semaine à planter des plantes que les font à Zaïga chaque jour. C'est le bon sens évident. Je vous donne un exemple, un français, François Deuzeuse, hein, l'écrivain de Montpellier, philosophe du Mazé, batté déjà comme co par le poète catalan Jean-François Pons. Crazy. La terrasse d'un Mazé est un endroit délicieux où l'on arrose de muscat et de blanquette les événements de l'existence, où l'on arrose même quelquefois avec de l'eau, quand il y en a dans la citerne, le rosé blanc qui l'ombrage de son grêle feuillage et le parfum de ses simples fleurs. C'est pour dire pondre les coutelles, les iris, qui ne demandent pas d'aigle, et toute la végétation indigène des garrigues, qui, elle, ses pétasses soulettes, court au plomb. Alors, face à la question, comment dire, texte et idéologie sur l'aigle et non pas toujours scientifique, par lesquels il y a oubli de l'histoire passée, mais fait bien sourire à ces gens, les artistes de showbiz, qui se prennent tous pour des écologistes saberus, toujours laissent à donner son médiaire, mentre que s'en foutent rien à la main, et que c'est la jog écolo. Ils disent bien écolo et pas écologiste. Alors, à Ausiger, ainsi. Oh, mais maintenant, je ne prends plus un bain par jour. Oh,
Ben, il y a au cabanon, il y a déjà mal presse des bains. Et... Ah, mais non. J'éteins l'électricité quand je sors d'une pièce. Oh, mon Dieu, qui ne vertu ? Seriez qu'est risible, c'est, il n'y avait pas tant bien, des cabinets des consultants en écologie, l'outaigne une source sûre, que ces femmes pagacar, pour vous dire et un bilan, éteignez l'électricité quand vous avez fini votre réunion de conseil d'administration. Ils ne disent pas, ne prenez plus un bain par jour, ça se fait pas. Oh, veillerain que l'écologie est devenue un business juteux. Et l'oubliez pas jamais. Business juteux. Va qui ? Une autre époux. Que Fouguet à Bourda, tout tard, aimait Peyre Thuy, la presse d'un poudet sur la Isabé Popula, vous voulez parler des plantes médicinales. Est-ce pas mon domaine de spécialité, mais en enquiste, immanquablement, les gènes sortent d'usage familial et donc relèvent évidemment. Alors, une citation des fameux botanistes qui ont des champagnes, qui ont pas manqué aussi tant des champagnes, le créateur du jardin des plantes de Montpellier, Père Richer de Belleval, parce que vaut son pèse d'or. En troisième lieu, préféré, je ne sais pas, ça ne dit pas, c'est d'époque, c'est prononciable, les S intermédiaires, comme on là, il va vous dire, per des caisumes françaises, au sein des EUA. En troisième lieu, préféré toujours, les remèdes aisés à recouvrer aux difficiles à avoir. En quatrième, reconnoître en nous un défaut vraiment François, qui est de priser ce qui vient de dehors et mépriser ce qui croit chez nous, s'écrierait à l'époque actuelle. Quelques-uns font grand estat de l'Autriche, Hongrie, Italie et Espagne pour le fait des plantes, mais j'assure hardiment que notre Languedoc les surpasse. Soit pour le nombre des sortes, soit pour l'abondance et vertus de ce qui y croissent. Je ne fais que suivre le dire des étrangers mêmes qui ont voyagé par cette province en nous taxant d'une incroyable nonchalance à faire valoir ce que nature nous livre si franchement. Ils reconnaissent que ça a été par une signalée divine pourvoyance que la plus fameuse école de médecine qui fut Onc a été élevée en la plus médicamenteuse province de l'univers, de façon que ce qu'on dit ordinairement, que le Turc descendu en nos plages court en nos montagnes plus pour y cueillir de nos herbes et plantes que pour faire autre captures et butins. Juste là derrière part, c'est moins optimiste qu'aquelle. Donc, avec qui la gâche du caucune qui repart aussi tant, mais qui sert à percer d'acco. Donc, le ravalement d'aquesta Isabé Popula naturaliste au règne des suspertitions de l'aide à Medjane, a farga un peuple complètement dépendant des lobbies pharmaceutiques et des fabricants de grains, enfin des producteurs de grains, parièrement. Hein. Le caminament est diabolique. Te dénigri, mais truffe de tes superstitions, donc te copie l'envege de transmettre, mais d'une autre custa, analyse tes plantes médicinales en laboratoire et te les refile en ses guides, en gélule à presse d'or. Va qui comment fonctionne la trépadelle. Quand dit diaboli, est diaboli. Et per tamben, l'ennemi met sur les graines, la passation des graines dans une famille, est diaboli comme fonctionnement. Hein. Alors, heureusement, commence des montants des coopératives, des gens qui s'éteignent, un paysan d'ici, Cocopelli, et des causes comme ça.
Donc, il y a un ténéri. Oh, t'es la irréfile et après d'or. Ça baisse pas manque plus récampa ta frigoule et ton romaning per ta cousine. Est-ce la décérébration totale. Heureusement, l'outro paumena à des bains. Il y a des, comment dire, des revivres, des conscientisations sous accord, et il y a des micro-entreprises, les gens ne savent plus qu'ils sont bons, mais c'est paumena à des micro-entreprises des terrains. Et il y a pour les plantes médicinales, pour les plantes, pour les produits des Beuta. Donc, c'est mon inconnostre. Et Maïgros, par exemple, l'entreprise L'Occitane, qui est une capitale économique foncière, hein, vertadière. Donc, pour montrer qu'à partir de l'Aïssi, c'est pour Farga une économie vertadière et qu'est-ce pas forcément recantonnée à l'Aïssi. L'Occitane a des boutiques au Japon, en Amérique, et en Dakomai. Il y a cette culture sur le planète des Valençoles, et ça, c'est important. Mentre que du croc fait venir ces herbes d'Europe centrale. Eh bien, oh, il y a une grosse différence. Alors, le lookout est donc à l'opposé d'un replégament, d'un supposé provincialisme passadiste improductif, bord que génère au contraire de l'économie et à cause per diffusion des coquillages de ces produits jusqu'à l'autre bout de la planète. La taxation de « Ah, mais tous les paysans ne savent pas manager l'ordinateur », mais c'est faux, complètement faux. Et quitte à même Michel Serres qui dit « Mais non, il ne faut pas apprendre les langues régionales, parce que nous faut d'informaticiens, mais pas des pastres. Ah, Michel Serres, le Gascon, qui est sanctionné par son accent gascon, a comme fait peine, c'est-à-dire même peine. Donc, tout tant comme l'affichage des spécificités linguistiques est une maille notoire à l'exportation. Fouguet étudia pas par des occitanistes. Pensez à l'étiquetage des vins, par exemple, qui causissent des termes lucau, estaca la vigne et geusapsena, des noms des plantes en occitan, qui sont fois porteurs, comme se dit la. Le jargon communicatif, par une pratique lasse des produits standardisés. Alors, heureusement, dans ce costa, il y a bel et bien un expert. Un autre domaine qui va vous montrer, et à cause de la séguide du Covid, le tourisme et les spécialités régionales. Alors, à Passatin, ringardissime, des lugas, un gîte rural. C'était le summum du dégénéré, du demeuré, du. Mais rappelez, pour qu'il y ait toujours lugas, des gîtes ruraux. Dans une campagne française, en Toscane, Rai, mais alors en France, une affa des rascous, provincialistes, péterous et tout ce que vous laisse. Le nec plus ultra, c'était Seychelles, Thaïlande, Tahiti, et continue, hein, et continue. Er tambien ringard, de connaître l'aroman français et maïque maï occitan, perdé qui est une spécialité, versus les temples de la vallée des rois encore, ou le temple d'Angkor. Hein, l'église romane, Ringard des failles en lougère, siège, 7 ou s'habille pas des quais, versus trekking au Népal. Et il a ça aussi par là des gens d'accord. Alors, c'est poudrier donner des milliers d'exemples. Ici, Ringard, Endacon, génial. La dialectique de l'Aïssi et de l'Aïour vient d'être mise en relève par la crise sanitaire qui venait de vivre et interroge à ce besoin d'esfréna des
consuma d'un kilomètre. Il a eu toute une fume des réflexions philosophiques, politiques, susaco. Et qui représenta en mai le consum des kilomètres comme une duberture d'esprit. Mais n'a pas fait craindre qu'en faisant un trekking en écale, c'est à se duber et n'est pas l'aise. Hein? C'est faux, complètement faux. On a se consumé, mais pas duber. Alors, à quel est qui prétendait donc être duber d'esprit, faisant la comparaison et menautri des replégats, des. Comment dire, barra au monde des patins et couffins, connaissent tous la dialectique. La crise mène donc à cette hygiène à bras des kilomètres, à prendre ses valises, pour s'en mettre à la sauce un gros de la famille provinciale. Ah, vous rendez compte d'un cambiement de vide. Et avec agu pendant une temps courte, la valorisation de cette campagne d'arrière-grade, où il y a moins de monde que dans la capitale, donc est mais sanitouse, pour une temps qui va durer ou pas, ça n'habite pas. Cela dira donc amusamment l'analyse de la fondatrice d'un maillot international d'un tourisme créatif. En anglais, Creative Tourism Network. La crise du Covid a engendré une forte envie de partage d'expériences en petits comités, non loin de chez soi. Enfin, elle a mis en lumière l'importance du tourisme de proximité locale. Proximité non loin de chez soi. Le tourisme créatif permet de redécouvrir une région sous un nouvel angle, tout en soutenant l'économie locale. Il s'inscrit dans la durabilité et loin du tourisme de masse. Faux partie de Castigien qui a toujours fait à quoi ? Ces agences néatives, créatives, tourisme, et tout. Ça ne veut pas si l'indu vient rire ou pleura de cet argumentaire. D'une autre, hélas, avec ou contre, les bruits de la campagne les mettent en rabie, ou font mentionner à quoi. Et avec des conseils qui plaignent les skins. Alors, à l'est, bruit de la campagne insupportable. Raymond dit le gars mourissi de l'île d'Oléron, que fougué va qui, les cigales à Gaillan, qui est d'anglais installé dans un village, en monta une pétition pour demander au conseil d'expandir des pesticides pour tuer les cigales, les vaches, qui est intérieur à la vengue des gens, mais qui faut éradiquer. Donc, arrivant, butasvous, fermaslas, Gau, cigales, vaches et moutons, et vous, péterous, cambias de mestier, car les vôtres nous insupportent. Vous l'aimez bien de votre roustie, mais vous l'aimez pas de votre bio, de votre yeux fermiers, mais pas de votre gau, de votre bing et de votre blas, mais pas de votre tracteur. À ma queste virus, s'opéra un comique renversement des valeurs. La campagne mai protestrice est venue de chute tendance. Les Parisiens et autres habitants de notre ville tentaculaire ont pris ses valises pour s'en mettre au vert. Nous menons à un recentrage sur l'ici comme solution prunade, mentre qu'est la cime de l'endarrage avant. Un autre domaine, la cuisine. Alors, la cuisine méditerranéenne, aimée sous noli qui est pudicier, aimée l'ail qui est pudicier, à questa isucitan, mangiare de chocolat et d'aillé, disiez toute une fune de dourour, vous remandiez à mon fichier sous aco, n'ai 55 pagines, dourour, vous déjà, de sur le test des isucitan. Déjà une thème qui est venue de le modèle
donc bien de se nourrir, hein, per de que paure en car, mais ric en légumes et oli, au contre de la graisse d'au bure. Hein, donc, pratiquant naturellement une cuisine saine, hein, sans médaille per temps, est notre culture. Hein, donc, est-ce pas passadis. Agaçant est la revalorisation de cette cuisine par les restaurants 4 stèles, 5 stèles. Je ne prendrai qu'un exemple qui est déjà donné, les salades sauvages. Alors, hier, il y a un pété rouge, c'est le campavias, des salades sauvages, ou un gagne petit, ou un mange bauca. Aro, pagade 40 euros sous une lause d'Ardèse. Oh, le fin d'un fin. Le fin d'un fin. Un tessien arriba. Un tessien arriba. Hein? Donc, Jean Baudrillard l'analyse bien à quoi il dit quand un objet perd sa valeur d'usage, il peut nous revenir avec une valeur de signe. Et donc, est-ce bien Lucas, des salade sauvage, mais también, les figues, avez vis ou presse des figues, les gingerles, avez vis ou presse des gingerles, et le fin d'au fin, también l'oli, qui est reconsidérable comme, hein, par, est des produits et la sienne, per les brancas, des libérons ou d'aupillons, et ces ventes, qui est bien placé, et se vend un bien immobilier, un marquant, 40 oliviers qui vous donneront votre propre huile. L'esnobisation des pratiques anciennes qui sont mésprisées à passer. Ou pas dit pas supportant. Ou pas dit pas. Va qui? Alors, un point en bien important, gestion des espaces, érosion, déforestation. Aquí, es veu lo sous les ponts negres de nostre aire, quand passa-tu geri a cu. Vert a dir a me. L'an passa-tu per de que podien pas faire autrement. Donc, refuse l'accusation à quest homme que es lo virus suprême, refuse a cu, catégoriquement. Alors, date pas d'hier, que vous voulez dire, une test de Galois Provençal, une Armada Provençal de 1912, en a smoussu. La vie est plus possible d'une pas mal de terrain d'Isaup. Les couelles sont nues et l'aigle dévale sur les bras, lève la terre, les remplissent des pères et l'herbe pousse plus sur les restants. Qu'avient tant de peines à s'éménager. Alors, à qui est un pont nègre? Il y a eu subresplèche de la forêt, mais pas dans le siècle des Aineaux, d'espoir, il a été néolithique, il faut dire. Hein? Donc, per ce qu'on fait, per basti d'oustau, et tant de mailles, et bien, oh, comme pouvait-on faire autrement? Alors, qu'il y a des questions qui se posent à l'ordre, est-ce bien, bien sûr. Alors, un autre exemple, positif, est la polyvalence de nos espèces agricoles. Et un texte de Pierre Pessemès, donc provençal de Libéron, qui est fort intéressant. À quelles exploitations agricoles, modèle d'autarcie, possédiennent toutes une avée d'une vingtaine de fèdes, en quelque cabre, qui maintenaient le paysage, qui est bien sous la côte, et le bestiaire caprine et le fédan, terrasclave tout ce qu'il a apporté de ses brègues, des brancos et des gitelles d'aubre, et tout au mène d'herbe, à l'éva, le bouis et la lavande. Et oh, les bestiaires n'en volent pas. Et les bouis et les amars, te les ramassaves en carre, mais les ginestes et les amélanchiers, per n'éprouvez-y le four des boulangers. Donc, ce que la cabre quitte, l'homme a quoi l'intéresse. Le four des boulangers et la vemvis, les jasses. Hein? Et à quoi
faisait des largues per la lavande et l'aspic, qui s'expandissaient à toute juerte, fin qu'il recantait, là, il plus recula. Et donc, il recampa per les lavandailles, parce que c'est ça l'importance de la culture de la lavande sauvage ou cultivée en Provence. Donc, voici une gestion de mon territoire raisonnable entre agriculture, troupée ou récolte de lavande. Là, est un modèle d'esplèche de la nature, selon ce que c'est son, le trinôme de Kunholz-Lordat, qui sont des botanistes de la faculté de Montpellier, Silois, Saltus, Aguerre. La forêt, le parcours de troupeau à mouton, le Saltus, et le champ. Et notre irère, Djouga, monsieur Zako. Alors, des coquillas en trop esplecha la selve, évidemment. Un autre modèle de mise en scène du territoire est la gestion du pendis en conostre, qui est un entrepatch extraordinaire. D'ici, les paysages de Bancel, Bancao, Restanc, qui sont des modèles anti-érosion pour servir et les terres et l'aigua. Donc, faisant des roues en montagne en rasclant la forêt, mais en bas, ça bien maintenait la cause. Tant pénible à cultiver que des coups, c'est carréjable la terre de l'embas en banaste fin calena. Et ara, après la desprez agricole. Donc, tout va bien. L'homme est parti, la forêt remonte. La déforestation. Désolade, mais pas ici. Au contraire, la sève remonte trop. Il faut lever à ce catéchisme de la teste d'hygiène. Prendre et comparer les cartes postales anciennes avec les paysages d'huile, si en passant au pelaras, par nécessité, à un embuscament généralisé, cacate tout. Et prendre peine pour faire mes photos comparatives et même mes cartes postales de 100 ans. Tout est barat, clavat, azumbat, reconquista par la Seule. Malgré le discours ambiant des fascistes, l'homme n'est pas le virus suprême, per ce qu'est notre. La remontade excessive de notre forêt, faute d'activité agricole, mène à une tragique perte de biodiversité floristique, donc faunistique, en conséquence. Mais d'accord, ne faut pas par là, que serait escourna le dogme en vigueur. S'applique le syndrome de la forêt amazonienne d'un partout. Regrette, mais non, ce n'est pas appliqué ici. C'est une erreur grave. Maintenir les espaces du bert pour les activités agricoles et pastorales est l'assurance d'une biodiversité, tant pour la quantité d'espèces comme la diversité des paysages, qu'il ne faut pas négliger et qui sont source de beauté. Les expériences familiales, des meilleurs des espèces comestibles, d'espèces ou néolithiques, cadunes sur son territoire, mené à un enrichissement formidable du patrimoine végétal et animal de la planète. L'oubli n'est-ce pas? Quand des espèces de poumes, pères, racines, galines, vaches, cats, chiens et népassis n'existeraient pas sans l'intervention humaine d'espèces des millénaires. Quand des appareils inexorablement négade et estouffade dans la remontade de la forêt actuellement. Hein? Donc, les accusations emblotent de l'homme mal suprême sont périlleux pas audibles. Hein? Il y a d'analyse à faire domaine et per domaine. Rappelant también une autre pratique centralisée et mortifère per notre zone méditerranéenne. Les spécificités de la forêt méditerranéenne n'existaient pas aux yeux de l'ONF. Borquer, une non-forêt. L'outaigne des ingénieurs de l'ONF. La punition suprême par une ingénieure de l'ONF est d'être nommée interméditerranéenne.
La technocratie des Lenao et formade par Lenao uniformisaire a donc géré des traverses notre selve par son malheur mal grand en lui faisant partie des rebuscages des résinons exclusivement comme par une selve alsacienne. La monospécificité résinière fuguait la règle générale au contre de la diversité naturelle d'origine et adaptée à cada endroit. Est-ce donc encore et toujours l'uniformisation que nous avalait de l'énau sur la teste, comme l'uniformisation de la langue et des accents. Veillez le dernier épisode de Jean Castex, Truffaut à longueur des messages, et vous remande à l'excellent article de Michael Feltin sur Zaco. Acabarai, mais non pas complètement, et la dégradation de l'environnement culturel, linguistique et humain. N'aime font par là qu'on n'aime parle. Dégun. Et un peu qu'est-ce que jamais aborda, qu'on se parle d'agression à l'environnement, et también traduit au Punao en France, l'éradication programmée des langues et cultures régionales et des sabés associés. Donc, on m'exprime des hommes qui la pratiquent. Le bilinguisme est considéré comme une tare antiprogressiste, une probe de déviance, pour ne pas dire de délinquance, qui menace l'unité de la République. Biodiversité des plantes, à longueur d'antenne, des bestes, des fromages et des vignes, linguidiversité, non. Or, pas même. Toute portion des territoires sur la planète est indissociable de la langue et des hommes qui la gérissent, l'aménagent, la cultivent, lui en donnant son spécificité paysagère, culinaire, architecturale, littéraire, artistique et n'est pas si. C'est nous t'aura donc à m'ironir à cette rejet des spécificités françaises par nos dirigeants. Qui s'empresse d'aller à l'autre bout de la planète, cerca à grand frais pour l'écologie, les spécificités de l'endacon si l'authentique, comme disait Marcel Pagnol dans une de ses romans. Alors, à cet ailleurs, c'est un ramène des modèles de spécificités paysagères. Avec un goût de conce, pas loin d'ici, qui tournant de Californie, diguèrent à ses emplégats, Voliaco, le paysage californien pour un village languedocien. C'est comme à quoi qui fonctionne. C'est un résulte de la désculturation inculcade. Mais l'exotisme sont les deux mamelles d'un must, une politique universaliste versus provincialisme réactionnaire. Notre toponyme francisa, est aussi une agression environnementale. Dirai sous la main l'exemple des récents de l'escorne face et les parents bretons qui voulaient sonner son enfant French à une tille sur la haine. Process, parce qu'une tille sur la haine. Refuse de Magali à un accent sur la I, parce que c'est notre. On t'en a. Est mais que kafkaïen. Faudrait commencer par faire péter tous les K, Y et Z qui descarrent notre troponyme, les élégies à guesse ou conscience, que ce folklorisme de nos maris sans le terme, vous rien dire qu'on ne sait pas notre occitan, ou cas le Y et le Z, par notre parole, les manlèves d'une autre affaire. También les mescoupadures, quand descara notre nom, notre toponyme, il nous considère comme coucaren d'anti-écologie au sens large du terme. Par exemple, mazé à une Z, barri à une Y, la mescoupadure, la valsière, qui fait penser qu'est une val, qui serait sierre, sens mystérieux, mentre qu'est elle apostrophe. À Valsière, expandide d'avance chez une kermesse. Donc, le toponyme règne la réalité écologique du terrain, ou même ce qui est fougué. Un autre exemple, les sabalses,
qu'est-ce d'inzera ou crazy, à qui tambien mes coupadures. Les sabals, on ne sait pas ce que c'est les sabals. À l'origine, elles sont lous abalses, les chaînes kermesses tournent à maille. Ben, demandant le rétablissement de l'orthographie correcte. Il s'en cas à mon cas et règne à la fin, qui semble des Russes, des ce que vous laissez, des Danais, des, etc. Et il s'en cas l'endré humide. Donc, à travers le toponyme, c'est retrouve l'environnement et les attitudes de l'environnement. Un exemple qui est ma grande force, l'étang de l'or, le métal. Les gens d'ici qui ont perdu la culture ou perdu les étrangers, ah, viennent d'or, dit l'étang de l'or. Non, c'est l'étang de l'ort, c'est-à-dire l'étang du jardinage, de l'ortillonnage. Et ça vient tout, et que la plane des Moggio, bon, les autres noms qu'il oublia, c'est fait à Baudre, hein, et des pommiers, et des pességuiers, et des melons, et d'espargues, et tout ce que vous laissez. Donc, vert à dire amen, est une endrée à voix, des voix à l'or. Hein. Alors, Fouguet revira, parce que vous faillez rire, en The Lake of Gold, Galet dit pas, hein, dans un projet et escoula d'un collège qui donnava pas le moindre nom occitan des plantes ou d'Auseu per un concours per Natura 2000. Mais strangulaire, il devait qu'un projet de l'éducation nationale présentait une arsenade de ce niveau. Un fort de la faute en anglais, hein, qu'en principe, il ne se dit pas The Lake of, mais à quoi est secondaire. Prendrai también le quartier des Zoulous à Nîmes, hein, qui est un quartier des terrailliers, où il se faisait d'oule, et non pas des Zoulous d'Afrique. Qui, alors, est-ce l'environnement à quest artisanat? Le darrier qui est venu de Trouba, il y a 13 jours. La rue de l'eau pendante. La rue de l'eau pendante à Sarian, en Vaucluse. La rue de l'eau pendante. Et Zlaigo Pendeng, qui est le versant. Et avec à la cime, la ligne de partage des eaux. Donc, l'endré que se sonnave l'aigo pendant, dit la boucle des anciens, Fouguet revira, traduisit hein, l'eau pendante. À qui hein? C'est l'igourang. Donc, est-ce de rétablir les vertadiers toponines? Est-ce de rétablir les vertadiers noms des olives que des desculturats en imposant ces azénades à l'Europe? Et à Rossian foutu. C'est marqué dans une. Faut dire. Fantasier. Ah mais Verta. Il est une escorne aisée. Est une escorne aisée. Donc les héros monumentaux qui sont imposés par des desculturats de laïcité aux technocrates d'Europe et émet des comment dire des mascarades d'étymologie. Vous vous donnez que 13 exemples. La bouteillane, variété d'olive. Pourquoi la bouteillane? Parce qu'elle a une forme de bouteille. Alors, il y a des mandis. Coca-Cola, Perrier ou Champagne, la forme de l'olive. Viennent des bouteilles, qui vont dire grappe. Est une main d'olivier que ces olives sont mai que d'autres récampades en grappe. Que donne la bouteillane? Ça donne la bouteille. La bouteille. La picholine, écrite dans l'ouvrage de CNRS. C'est parce qu'elle a une forme de cœur de pigeon. Ah bon? Là, ils expliquent que son dit Mistral, 5 ans de date. Mais ils viennent de la famille des frères Picciolini, qui demeuraient
à Marcy, une branche florentine qui démourave à Marcy et qui vient une usine de traitement des olives en rive de l'estan de la mare des Bères et qui vient inventer le processus que connaissons de désamérisation des olives vertes. Et donc, se disait les olives à la picciolini. Puis, c'est estrecci sur une variété gardaise, qui est la couliasse, et qui a, les gens se creusent qu'est une variété. Non, picciolini n'est pas une variété. Historiquement, n'est pas une variété. Bon, ce qu'ils trouvaient, ou pourquoi, les chercheurs de l'UCNRS ne l'ont pas trouvé. Ils nous vendent, elle a une forme de cœur de pigeon, des kindrés. Des kindrés. Et ils le considèrent comme une agression. Falsification des festes. Lucrèce, mon village. La fiesta d'été. Et rien contre les Espagnols. Mais pourquoi pas ça à fiesta? Pas à l'Occitan, la fête d'Estieu. Mais pas une, une mascarade linguistique. Toujours au Crèce, à l'automne. La fête du revivre. C'est comme l'eau pendante. L'eau revivre, c'est le regain. Mais ça ne veut pas dire revivre. Alors, passe par un mot occitan qui traduit sous un français pour dire un cas, une erreur monumentale. Falsification des monstres. Et un article complet sur mon site et faire une intervention à une autre université d'Estienne. À la bombe d'Orion sur le Caus qui tresplombe la. Le gour de Novosel, hein? Les Soch de Robert, S-O-T-C-H, Robert est un nom du propriétaire, Soch, manque une C, ça ferait Scotch, pas gaire, mais non, Soch, S-O-T-S, le T-S occitan prononça Tch, mais Soch me remande à rien, mentre que Soch, et c'est ici directement dans le latin sutus, qui veut dire soute. Et les soch, sus cause, sont des traux. Des traux, réduits en superficie. Et ce sont tous les soch. Voilà, les soch. Mais podons pas poser la question. Podons pas la poser la question. Non, aussi, on écrit. Bon. Une autre qui m'a estomagade. Les faves distribuées dans les pastissons d'Aireille. Vous rappelez qu'elles ont une signification symbolique importante, que, première, l'enfant Jésus, mettant qu'il y a une évolution, tira de l'iconographie des santons. Rappelez donc que les santons sont tous les métiers du petit peuple qui vont honorer l'enfant Jésus en faisant son offerte selon son métier. En rappelant au passage qu'il n'est pas propriétaire de l'église catholique à Cotambin, parce que la fête du retour du sol invictus, le soleil invaincu, se faisait largement avant les catholiques. Il faut remettre les causes en place. Donc, per l'humain, les faves d'oreille deviennent d'aurien segui le Saint-Esprit de cette fête, qui est largement maïque catholique. Et avant d'ondre à des Wonder Woman, comme favor, hein, des Mickey, des footballeurs, dès qu'ils viennent offrir à cette gens, pour célébrer le sol invictus, hein, son QI, surtout pour l'aïdarié. Une cuillère faible des légumes, mais ce n'est pas une offerte. Hein. Publicité vergogneuse. Enjoy cette. Enjoy Montpellier. La sunny French tech attitude. Tram de Montpellier. Oui, oui, c'est Michel. Flash me, I'm famous. Cette. Tram de cette. Oh, my keys. La poste. Per laquelle il aurait perdu ses clous. Oh, je découvre Easy, la poste.
un vin by Robert, machin. By et easy sont les 12 mots clés de la communication. Magazine marseillaise. Who? What? Where? When? Why? Je décline ça. Voilà. For you with love. Magazine cache-cache. Publicité gratuite. À Despard d'accord. Le français, c'est la langue de la République et sont les langues régionales qui menacent le français. Les leites d'escultura, c'est vain, ce que Valérie Bernard, son avoja, les cresta, et Claudia Gege, les leites vasalisa. Problème qu'a décidé ainsi environnemental, donc sien toujours dans le sujet, mon sujet environnemental. Conclusion. Aquesta isabée populaire de bon sens, pardon per osa emplega aquesta expression notoriamente pétainiste, eisuei d'unei, citation, ceux qui prônent la défense des paysages sont des parleurs de langue régionale vichysois, une architecte paysagiste, une teinte responsable de l'environnement en région PACA, comme disons. Donc, de bon sens, perché un escambi permanent aime la nature, sans desgaillement de l'aigo di nostri pays tansé, mestreggiant perfectamente les espèces de fruits, lume, céréales adaptées à cada terraire. Nostra isabe fuguer un eradica, au nom du progressisme, toute classe politique confondue, et de la productivité à escale industrielle, d'acquis excédent de là, des burées, des blas, des tomates, des melons, qu'Adam porte ses excédents, agent embarras, les pas plus paysans, mais esplechaire agricole, d'un siècle infernal, mai de poudés et technocrates d'estat, mai de productivité, mai d'engrais, mai de pesticides, mai d'imprunes, mai de suicides, suicides laissant les foules d'une indifférence totale, quand encore à questes paysans desboussoulas, ces femmes pas insolentes per décolle ou vert pastèque, comme se disent, courent sont en train de travailler dans ces camps. Sont elles les premières victimes, il ne faut jamais oublier. Per une ironie tragique, à questes mode de gestion mai douce, tornent comme un modèle d'écologie. Est-ce qu'il y a donc besoin de les rabaisser tan bas, tant comme les gens qui portaient à questes sabés, tout y remanda à sa basse condition de péterous inouren et parlaïr des patès, car ne parlant pas la langue de la liberté et ennemi de la République, Mélenchon. Et digne rien mesqué d'un procès à Nuremberg, second Charlie Hebdo. Tout à coup, au nom de passa provincial, fagent taule rase, per anna vers un universalisme radius mai monolingue, franco-franco, franco-anglais, sans histoire, sans racines, sans saber aireta, prétendant repartir des zéros, qui ne prétention, et farga de toute pèce, un homme et nou, vu déjà de sa culture, donc buta à une consume sempiterne, qui fa sempre réactiva, que le consume a jamais rompli son homme, ou contenta son homme, à cause de sa prière. Subretout, et mai que tout, fabriqua un humain gouvernable à volonté, comme per le tyran de la nouvelle subréaliste, pas tant qu'aco, pas mal que le test d'Orwell, de Max Rouquette, chronique d'un pays d'Amalu, ou que seigneurège donc à cette tyran, que seigneurège sous une troupe d'humains test cling, et qui régule scientifiquement la reproduction comme per des galines embatariées ou des tomates fort sauts. À cette désracinement à marche forçade et fort sénade, extirpant les racines.
Les Français ne sont pas des radis. Ils n'ont pas besoin de racines. Jacques Attali. Comme l'abbé Grégory extirpait les patois, escalifica des catastrophes anthropologiques per mantum philosophe, l'Eikau vampa finca admettre que les locutures des langues régionales agon la métaise analyse et donc la métaise revendication. Le français, c'est le français. Hein? Bon. Imposture tournamai. Au nom du jacobinisme triomphant, que ven pas même des monstres en carre sa faillite abyssale dans la gestion de la crise sanitaire, à une conjonction rare d'incompétence, des conflits d'intérêts et des centralismes pesugamens pachydermis, qui s'espèrent que les ordres contradictoires d'un jour à l'autre d'avalent sur notre tristesse. Pensez en particulier, je n'aurai qu'un exemple qui m'a fait sourire et nègre, à la fabrication des masquettes, que les solutions locales fougèrent très comme réactives, que France ingénie universelle n'avait pas manque de masquettes pour apparaître à sa population, ni de fabriques pour fournir, que pèse et pont liga dépendante de Chine. Au travail bénévole, les pichotements régionalistes, pour pallier notre incompétence centraliste, complètement trincade des réalités des terrains. Si, à quoi fait partie du sujet que me carcagne et que nous carcagne. Et je désire que cette vengeance des régionalismes et des solutions locales de bon sens, perdons un quart. Per tout cas, l'agriculture, la gestion des paysages, la gestion des lacs, les circuits courts de distribution, si elle n'est pas qu'une mode passadisse, court nécessite à l'œil, l'œil oubliée, court la l'œil des lobbies, tournera prenne le poudé. Et co-responsable, mais l'œil de la génération d'avant, la mienne, feront tutti. Pas des papiers au sol, mais c'est rien ou presque une mandale. Vautri tambien, eh? Pas des robinets qu'on laisse raja et maille cour au calcul, vous sous nos téléphones. Pas d'azeigage d'hectares de pelem per des cons ou per faillerique. Geste qui peut rester pratiqué avec geste des besoins, des menaces, des écologies punitives. Refusant donc de se faire donner de l'aïsoune d'écologie par des barbets ou ciutadans par la majeure part, à gain jamais agu à Susa sur ses terres et à Sadja de vivre de son travail, précise tourna mai qu'il parle ou même d'un paysan de ma famille. Refusant d'autant mai que force de ses ténors en aquest écologisme d'opérette, malgré ses discours per la galerie, aguerre et en encao des pratiques de vide gaire éco-responsable, gaire économique en énergie et force consommaire des biens. Entre autres exemples, nous en asaïga de son kérosène en hélicoptère pour faire ses émissions ou ses photos et se faire force, force monnaie, que l'écologie est devenue d'un business juteux pour trop de gens. Est la triste résultat de l'abandon inculqué ou accepté, qu'il y ait también complicité des Vinci pour admiration des Vinceires, esquema classique, d'aquest sabé naturaliste, quand laissa toute la place à une presse des poudées, des lobbies sur les plantes et de la classe politique sur l'écologie. Quand faisait-ce le vuège, sont des gens gaire recommandables qui n'aiment profiter. Prendre vers les déshonorantes manœuvres pendant les élections municipales et mes 600% d'abstention, montrant la lassitude extrême de la cause électorale. Ce qui est un danger pour la démocratie et tout ne s'apprend pas au Covid. Ségur les gens en crainte le Covid, mais pas qu'à quoi. Culture, langue et gestion du territoire font qu'une cause qui a perdu sa raison au fil des décennies, parce que fougué des membres, par une poudée technocrate arrogant. Si on passa tragiquement d'une culture des sabés multiples à une desculture inculcade et nuisible à l'environnement.
estre aussi tendément, per estre moderne et éco-responsable, sans ces gonflats de l'exi inutile et exclusivement communicant en idéologie, sans impléguer l'agré de la peau et de la culpabilité per domestiquer les masses, juga sur la peau, mais toujours nous mettez saint jour, per domesticat. Hein? Per exercer d'activité humaine respectueuse de l'environnement, per mener une agriculture raisonnable, per que l'homme retrouve une osmose et aime la nature, tout l'esplechant forçadement per ses besoins élémentaires, donc per être en plein moderne, aimer les préoccupations environnementales, assumissez et perpétuez l'héritage, si c'est donc ou si tant traditionnel, naturellement, comme César sortit naturellement de son bar. Hein? L'analyse va bien s'aiguë par toutes les cultures régionales, qu'elle soulette, connaisse son environnement dans sa globalité, héritage de ses règles, et qu'un dégueu intéresse de l'humautrata per un pédure d'équilibre. Encore, faudrait que les occitanistes siguent son mal combattu et per sa langue et per ce que carrège comme sabé utile à la société, le déséquilibre induisit or ou monstre perfiètement. Vaki. Eh bien, merci plein, Giusiana. Tu es qui? Adieu. Un travail de trio, oui. Alors, Beléu, avant d'en avoir sur le maïus, avez-vous des questions ou des interventions de dire? Patrick. Prenez le micro. Excusez-moi. C'est Hubert, hein? Hubert, d'accord. Ouais. Le problème est le problème du pouvoir et de la domination des hommes. Et donc, siendo en deux mondes différents, c'est-à-dire que ce qui est trapant souvent complètement incohérent et tout à coup, est parfaitement cohérent au niveau de ce que veulent utiliser que la domination. La domination, ce n'est pas. Parce que s'il y a unicité, s'il y a diversité, bien compliqué. Il y a l'autonomie au cadune et il y a la liberté de cadune. Et donc, on peut pas. Donc, qu'il passe évidemment per l'unicité. Et pensi, bon, je suis diplômé d'écologie. Bon. Écologie scientifique. Oui, non, d'accord. Et bon, alors, est-ce pas quand même qui compte qu'ero à la débuto aisite. Ero en 1968 et à la réforme, così dire, le monde nous disait buscal fa zoologie, botanico, géologie, per de que apei, comme savent pas de que y aura apei, aurez aquí los tres camis, anan dire, tradicionals. Mais, à l'encop, ero un handicap, c'est-à-dire que finalement nous faillait perdre, entre verguetos, une annada, mais, de l'autre part, faut être une avantage. C'est-à-dire que APEI nous permettait de faire écologie. Et trappi que écologie à la débuto era une arme. Et podio esse perilloso. Et speraco que faut être récupérado. C'est vos à niveau politique et tout à coup. Mais l'écologie, così dire, est naturale. Comme on dit, Josiane, c'est naturel. Et j'ai senti qu'ero, così dire, à l'époque, qu'ero un péril per le poudé. Et donc, on commençait de m'exprimer. On commençait de m'exprimer à payer, de récupérer. Et bon, à payer, trapiquer le monde, un sasso de vivre, une cohérence ou une avantage à la politique au menado, que sia pour l'agriculture et tout à coup. Mais, à niveau del poudé, expliquez comme la phrase tout
envie de dire qu'elle divisa per Reina. Et donc, un sens de pausa écologiste et fin, agriculture, enfin, intellectuel et manuel, enfin, tout ce que connaissent. Mais souvent, le monde arrive au pas, encore que, après le Covid, il y a aussi un cop qui commençait de reputer contre le centralisme. Mais le d'accord centralisme, jusqu'à ce que c'est au pas, la même batte, ça m'a eu aussi. Mentre que se perseguissent un peu la logique, le raisonnement, arrivant à aquel d'accord de centralisme. Mais le centralisme passe à cada niveau. C'est-à-dire que si est al sum de l'Estat, et va attrapant à paye dans une stable et favorisant per concours, per tout ce qu'il y a de la norme. Et bon, en fin. Vous comptez que, par exemple, j'avais fait un article justement sur les variétés, enfin, les espèces, enfin, non, les races de Bacos, et vous êtes censuré à niveau d'un parc. Et quoi? Pour dire que montrer que le fait qu'avant, il y avait une variété, qu'il y a tenu compte de quelle variété. Demandavo de tenere le legge, ma bon, è qui lo cammino cap alla tolleranza, cap a. È a dire che torna a intrappare l'altra cosa politica che potesse per gli usi. Tutto se ten. Se sui da. Ah, un non de che? È che te fughe di la ragione vertadiera? O è che tu che la niflada? No, andavo contro, così dire, lo da cose. Avevo paura della reazione, perché è solo una fa de pude. Et donc, le monde a bien peur de la réaction d'agriculture, de la chambre d'agriculture, enfin, bon, c'est pas ça même. Et donc, considérer placer ses buts au niveau des agriculteurs, au fin des élevages. D'accord. Donc, merci, Peire. Et alors, il y a un peu de demandes ou de commentaires pour la SRETS, question de la Marpoc, Bélé ou Estella ou. Alors, il y avait une petite précision des demandes de vocabulaire et des stress sécur, c'est le terme gramme, est-ce plat l'herbe d'agramme? Oui, d'accord. Le gramme est en provençal, le gramme est en provençal, et la gramme puleu est en galicien. Mais à mai beleu, que pouvez-vous essayer beleu là? Grand, parce que pour ton attrapage grand, ouais. D'accord. Une coupe pas dure, différente. Bon. Oh, c'est pas une joie des mots, Suzako. Une virolingue. Car la naquer est le grand et le rey est grand. Le grand G-A-R-N-D et le rey est grand G-A-R-N-D, une veiture, une carrette, tout ce que vous laissez. Et car la naquer sous terre, le grand G-R-A-M qu'est un subre. Mais surtout, le grand, le rey est grand, c'est-à-dire les racines de la grande, qui savent que ce n'est pas une troussée ou ma co, répartit ses maths et continue sa conquiste. Car la nature est le grand et le rey est grand. Mais qu'est-ce pas une marie d'herbe? Ah non! Merci. Dica bene, non, t'avais? Il y a t'avais une intervention, un complément pour. La Claudine Paul, qui nous parle effectivement de la situation des paysans et de la nécessité affichée pendant le phénomène de l'autonomie alimentaire, mais après, que se passera? Surtout pour les paysans qui sont pas pour leur redard, reconnus à la valeur de leur travail et qui peuvent pas tout esbiurer du travail de la terre. Alors, il y a un peu de dire también que Fugger est stade per la lausenge méritade de personnel des hôpitaux, mais jamais à Ougigeri, la symétrie per les gens qui nous ont alimentés. Et tombant des langues sur la question, on m'a oublié au piège, mais de la classe paysanne. Mais ils savaient viscu, ils savaient manger, c'est parce que les paysans n'ont pas, et les tambins, abandonné son travail.
l'ai pas vu, ça. Ce n'est pas fait d'applaudiments à 8 heures du matin ou à 10 heures de la tantoussade. Non, mais tout ça. Et ce sont les éternes perdants à Castigien. Éternes. Et mais d'accord, c'est se dit que les presse avaient monté. Et avaient monté par des quais. Par des quais, à ben paga, le monde, personne ne travaille. Personne vert à dire travaille. Et non pas par des causes qui viennent des saïpas d'enté et qui sont produites par des mondes qui sont d'esclaves. Exactement, exactement. Le yoga de ces pamènes est une démarche écologique. De pagar les gens à l'aussade de son travail. Ah non. Oh, et qui t'amène à vous dire ah, il n'y a que na profiter pour faire des mercats nègres. Ah, enfin, enfin, enfin. Marinette. Alors, à l'encontre de ce que disais, il y a aussi, surtout à la radio, la promotion de tout le monde des paysans, les petits paysans qui vendent des causes dans le Caire, à Radio Intervalle, non malamente. De mai, dans la chronique, à 20 aujourd'hui, il y a des mondes à Costa qui vendent des produits et qui sont déjà contents de nous vendre. Nous vendions déjà en place, hein, mais bon, sont venus nous porter à l'Ostau du monde. Et il y a eu force reconnaissance. Ce n'est pas montré parce qu'il n'y a pas national, mais pensez qu'il y a eu à quoi. Et vous voulez dire, et aussi sur ce que nous vendons maintenant, qui s'égure et centralise tout, et qui nous empêche d'en aller loin, qu'il y a aussi la transmission, et même pour les paysans. Parce qu'il y a des montagnes de langues en Lozère, il y a force aux paysans, des jeunes paysans, qui sont venus par la qualité de vie dans Lozère. Et ce sont des d'accord, si des patouilles pas mal, ce sont des qui, déjà avant le Covid, ont essayé de faire une université populaire rurale pour dire qu'il manquait des transmissions. À quel saber era le monde vieil que nous passava le grand père au père à l'enfant. Et donc, rien s'agit de faire des saisies ou des transmissions des langues. D'ailleurs, fait des petits films à le festival vidéo de Saint-Gervais. Mais il y a des mondes tombés qui ont compris par quel biais que la langue est ligada. Alors, il y a qui sont un peu sceptiques parce qu'ils ne connaissaient pas la langue occitane lorsque sont venus d'un d'Acomaï. Mais quand le voisin lui disait ben, à ce qu'apprenait la sagate dans tous les castagnets, et bien, le type disait, ah, une sagate, on ne savait pas de qu'est-ce. Et bien, bon, il est venu s'entraîner, quand il est passé à son voisin qui lui disait, adiusias, répondait, et il y a 4 ou 5 qui viennent à la langue, donc il y a le même problème, transmission. Sous la langue, 10 le territoire. Alors, hier, il n'a pas travaillé sur le castagnier en particulier, mais sur la vigne en particulier. Mm. La culture de la vigne, ce n'est pas passé de l'Occitan. Et je pense qu'en Alsace, la culture de la vigne, ce n'est pas passé de l'Alsacien. Le castagnier, il y a l'empeute, la greffe du châtaignier. Que c'est pas ça avant. Nous, ici, de la vigne, il n'y a pas d'équivalent. Alors, donnons, mais des incusies, mais fa justement, une ligue de trio pour la table redonde qui va commencer tout à l'heure, pour 5 euros, et vous avez envie de ne faire une pausette, et ne, si tu ne rentres pas, mais nous te convites. Merci encore, et à tout à l'heure, pour la seguida. Venez de Segre en direct view la programmation de las conferences et taules redondes de la 44e Universitat Occitana d'Estiu. Podes tornar a trapar aquells registraments sur la pàgina Facebook de la Marpoc, Radio Languedoc et le CIRDOC. Et peut-être sur radiolanguedoc.com.